de la table, on avait vu le forum. Alors, vous avez quelques illustrations qui sont prises du forum et du port d'Ostie, qui était le grand port de Rome. Lapis, lapidis, qui veut dire la pierre. Jefferson, tu as l'air d'être vraiment très attiré par le sujet. Oui. Pourquoi, dit j'aimerais bien faire ce métier. On pourrait peut-être aller visiter, je ne sais pas, moi, une carrière, un tailleur de pierre tombale, un sculpteur. Tout ça est encore actualisé, tout à fait. Donc c'est un métier que l'on pratique encore. On a un savoir-faire en Belgique et il se perd un petit peu. C'est un métier relativement doux, dans le sens où on est en permanence dans les courants d'air, on est en permanence dans l'eau, on est en permanence dans la poussière, on est en permanence à porter quand même des charges assez importantes. Tu soulèves le caillou qui est là, tu vois déjà ce que c'est un caillou courant. Donc voilà, c'est assez dur et ce sont des conditions qui sont salissantes. Ceci est la même pierre que cela. La différence, c'est que celle-ci a été polie. Est-ce que ça paye bien? Ben, ça paye comme un maçon ou n'importe quel ouvrier du bâtiment, ça paye honnêtement sa vie, oui.